إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلا كنرجو ربنا إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلا كنرجو ربنا في دجانا إننا قد وضعنا حملنا يا رجانا أنت من جانا إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين فماذا بعد الحق إلا الضلال ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Avant de commencer, une petite introduction, parce que cette mosquée-là, elle a une place toute particulière dans mon cœur. Même si beaucoup de visages ne me connaissent pas ou ne me reconnaissent pas, les premiers jours de ma vie ici en Belgique, c'était à Hiver dans la première mosquée. Donc j'ai une reconnaissance toute particulière et même extraordinaire pour les gens de ce quartier, que je reconnais certains d'entre eux dans les années 90. C'était l'autre coin. Alhamdoulilah, donc dès que je viens à cet endroit-là, je suis toujours comblé et je me rappelle les moments de mon début ici en Belgique et j'ai toujours des souvenirs qui sont pleins de joie et pleins de iman, j'allais dire, puisque nous avons commencé nos premiers pas avec Shuyur qui était la jazakumullah anna khair al jazak. Deuxième petite remarque, je ne suis pas cheikh, hein, même s'il a fait les éloges, donc je suis votre frère. Le plus important d'entre nous, c'est que on est dans l'assemblée d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est les invités, nous tous. Il n'y a pas un meilleur par rapport à un autre. Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement celui qui est le plus pieux d'entre nous. Huwa a'lamu biman ittaqa. La chose la plus importante, l'ataya, Allah subhanahu wa ta'ala yuqassim l'ataya. Si tu implores Dieu, quand tu fais la prosternation, tu demandes Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, je te demande al-khawf minka. C'est la chose la plus. Si tu veux que Allah te comble, même si tu n'as pas beaucoup de science, même si tu n'as pas beaucoup d'œuvres et d'actions, la chose la plus importante, que Allah subhanahu wa ta'ala te donne un cœur qui sera craintif, qui se rappelle au moment du péché, yatadakkaru wa yaqul inni akhafu Allah rabb al-alamin. C'est la chose la plus importante que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Alors par rapport à ce sujet que mes frères m'ont demandé de développer, évidemment c'est un sujet qui est le plus important dans notre vie, parce que c'est une question qui est centrale. Nous allons passer un certain moment dans la vie qui sera plus ou moins court, qui sera plus ou moins long. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance, le temps. Pourquoi ça n'a pas d'importance? Parce que le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait cette rétrospective en disant que votre présence dans la vie d'ici-bas a été si courte, a été si éphémère, que vous êtes en train de dire nous sommes restés seulement une heure. Wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a. Ils vont jurer devant Allah subhanahu wa ta'ala que nous sommes restés sur terre seulement un laps de temps. Ce laps de temps, une heure. Pourquoi ils vont dire ainsi? Parce que la situation, le jour du jugement dernier, le chaos qu'ils vont voir, le al-khawf ou al-faza' ou al-hawl, al-hawl ça veut dire un état de, comment dirais-je, une panique extraordinaire, si bien qu'ils vont dire que la vie d'ici-bas, c'était
une petite balade d'une heure seulement. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Yu'tam bi an'ami muluki dunya min ahli an-nar ». On va rappeler le meilleur des rois qui est resté sur terre, « min ahli an-nar », celui qui va à l'enfer. « Fayughmasu ghamzatan fi an-nar ». Et on va l'imprégner dans le feu ardent, dans le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, un temps infime, un laps de temps, et puis on va le faire sortir. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'interroger. Combien tu es resté sur terre? Combien? Le temps maintenant, on lui pose cette question, combien? Pourtant, c'est une personne qui a été, qui a connu la joie, la jouissance, le plaisir, na'im, l'argent, la fortune, les femmes, toutes les distractions et les plaisirs du monde. An'am muluk ad-dunya. Alors lorsqu'il va sortir de ce feu, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui poser la question, combien tu es resté sur terre? Il va dire, je suis resté un jour, une partie d'un jour. C'est même pas un jour, jazakallah. Ou une partie d'une journée, c'est même pas une journée entière. Tellement que cette douleur, elle a été intense pendant cette seconde ou cette fraction de seconde dans le feu ou l'ayatollah. Et la même manière, on va inverser les rôles, on va ramener le plus misérable de ce monde, min ahli dunya, min ahli jannah. Parce qu'il y a des gens malheureusement qui seront misérables dans la vie d'ici-bas. Et ils sont également, ils seront misérables dans la vie de l'au-delà, nas'alullah al-afiyah, ya Allah al-Karim. C'est pour ça le croyant toujours, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait sans se lasser ce dua, cette invocation, ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Tous les jours il répétait inlassablement ce dua, cette invocation, ô Allah, celui qui fait retourner le cœur. Alors soit que mon cœur soit affermi, soit mon cœur qu'il soit dans la voie de la foi, soit que mon cœur soit dans la voie de l'islam. Donc sans se lasser, à chaque fois on se retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, al-nujou wa al-tadarrur wa al-khawfu min Allah subhanahu wa ta'ala. Alors par rapport à ce sujet, quelles sont les choses les plus importantes qu'on va soulever par rapport à chacun d'entre nous? C'est une question qui est personnelle, je dis bien, elle est personnelle. Chacun d'entre nous, lorsqu'il va être ressuscité le jour du jugement dernier, il sera seul, sans intermédiaire, sans associé, sans traducteur, sans lien de parenté, ni maman, ni papa, personne, ni frère, ni épouse, ni enfant, tu seras seul. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمُ أَوَّلَا مَرَّةٍ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ. Vous êtes venus seuls. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit dans ce verset que le jour de la résurrection, le jour de la rétribution, les gens vont être ressuscités et ils vont, comment dirais-je, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala devant la balance. Lorsque Allah il commence à nous interroger, on est seul et on va regarder sur notre droite. فَيَنْدُرُ أَيْمَنَهُ فَلَا يَرَى إِلَّا عَمَلَهُ الصَّالِحِ وَالْجَنَّةِ. Lorsqu'il va regarder sur sa droite, il va regarder seulement les bonnes actions et le paradis. فَإِذَا نَظَرَ إِلَى أَشْأَمِهِ. Lorsqu'il va regarder sur sa gauche, il va regarder ses mauvaises actions et il va regarder l'enfer ou l'ayatollah. C'est pour ça que je vous dis, c'est une question qui est tout à fait, personnelle. C'est-à-dire moi, dans ma présence, dans la vie d'ici-bas, quel que soit l'âge, je vous ai dit, l'âge n'a pas son importance. Le temps qu'on va rester sur terre n'a pas son importance, sinon on va rester beaucoup, ou moins longtemps, ça ne change pas beaucoup. Le plus important, c'est que je sois prêt. À tout moment, lorsque l'ange de la mort vient frapper, ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Allah il nous interpelle dans ce verset, il nous dit « Oh vous les croyants, craignez Allah à sa juste valeur ». Vous savez ce que ça veut dire à sa juste valeur? Le professeur Hassan il a expliqué ce que ça veut dire « Taqullah haqqa tuqati ». An tuti'hu fala tu'si, wa an tashkur wala takfur, wa an tadhkur wala tansa. Je répète, craignez Allah à sa juste valeur. Tu l'invoques sans oublier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera capable de le faire sans oublier? Même dans la prière, on oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Dès qu'on va sortir, on oublie. Pourquoi? Parce que la vie, elle est si intense. La vie d'ici-bas, elle est si belle. Elle est si attrayante. Elle est si séduisante. Alors nous tous, on va courir derrière. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait, de temps à autre, par moment dans la journée, des moments de rappel. Al-dhikr. Dhikr, les cinq prières. Le Coran, c'est al-dhikr. Les invocations, c'est al-dhikr. La récitation du Coran, c'est al-dhikr. Ces assemblées également, c'est un rappel. Moi également, je me suis en train de me rappeler. Vous également, vous vous êtes en train de vous rappeler qu'il y a un jour fatidique. Il y a un jour qui est inéluctable, un jour qui viendra tôt ou tard, même si on est en train de repousser, même si les espoirs nous font croire qu'il est encore loin, on a encore le temps. Et ça, c'est amal al-shaytan, ya'iduhum, wa yumannihim, wa ma ya'iduhum al-shaytanu, illa ghurura. Il va les trahir, il va les corrompre, il va leur rendre la vie avec illusion et avec un mirage. Mais la vérité, c'est qu'un jour ou l'autre, on finira devant l'ange de la mort. Devant l'ange, il n'y aura pas un seul ange, il y aura l'ange de la mort et des anges avec lui, comme les hadiths viennent l'expliquer. Et ce jour-là, on aimerait bien, et on va demander un sursis. Il y a Allah, donne-moi un laps de temps. Et chacun d'entre nous va demander un sursis, quelles que soient nos bonnes actions et nos mauvaises actions. On va demander à Allah un sursis, parce que les gens qui auront profité de la vie d'ici-bas, ils auront fait les bonnes actions, multiplié les hasanat, ils vont quand même demander à Allah, donne-nous encore un temps, comme ça on va encore profiter. Mais malheureusement les gens qui auront raté leur présence dans la vie d'ici-bas, ils ont cru comme étant une balade de plaisir. Ils n'ont pas saisi que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés comme une création sans finalité, une création sans but, une création insensée, comme le soulignent les non-croyants. Nous sommes ici dans la vie, on doit profiter au maximum et cette vie, elle va passer très vite, mais ce n'est pas vrai. On sait bien que l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé avec un but, avec un dessein qui est précis. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Et l'adoration, ça veut dire l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas sincère. Je peux prétendre, j'aime Dieu. Il y a beaucoup de gens sur terre qui prétendent aimer Dieu. Et ils le disent. Ils sont sincères. Il y a beaucoup de chrétiens, des juifs, des non-musulmans sur terre qui croient en Dieu. Ils savent qu'il y a une présence divine, transcendante, qui a créé tout ce monde. Certains. Mais ils aimeraient bien croire en ce Dieu, l'aimer, mais tout en étant rebelle, sans l'obéir, une adoration conditionnée. J'aime Dieu, je crois en lui, mais à ma manière. Ça veut dire le prophète ou les prophètes, alayhi salatu wasalam, non. Les livres, non. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des messagers pour le représenter, pour nous transmettre le message de l'islam, pour nous montrer comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce message-là, il est venu dans l'image d'un être humain qui sont les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc prétendre croire en Dieu, prétendre aimer Dieu, mais sans l'adorer, sans se prosterner, sans l'obéir, c'est quelque part un petit mensonge. On est hypocrite si on va dire ce mot-là. Parce que normalement, le croyant, c'est quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, al-khawf, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'état de piété, ça suppose deux choses. Ça suppose at-ta'at, donc je fais les bonnes actions, j'obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, mais également ça suppose que je m'interdis de passer à l'acte répréhensible, à l'acte blâmable, à l'acte dénonciable, au péché. Entre moi et le péché, il y a un écran, il y a un obstacle. Cet obstacle-là, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est « j'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala ». Mais parfois, naturellement, je suis fauteur, je peux faire les fautes. Parce que chaque être humain, il n'est pas infaillible. Nous tous, sans aucune exception, on passe à l'acte, on est fauteur, on fait des péchés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre repentance et notre retour. Allah subhanahu wa ta'ala, sa porte, elle est si grande. À chaque moment, lorsqu'on va frapper à sa porte, Allah, il nous ouvre. Ses portes, elles sont si grandes et il va nous accepter. Mais le plus important, attention de ne pas mourir dans la distraction. Attention de ne pas mourir dans l'égarement. Attention de ne pas mourir dans la désobéissance. Et comment je vais faire? Comment je dois me préserver? C'est un dilemme. Je fais des péchés, je suis fauteur, je ne suis pas infaillible, je suis un être humain comme notre père Adam alayhi salam, on fait des fautes, mais comment je dois me préserver et mourir dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça Allah nous dit « وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » Alors ne mourrez que dans un état de musulman. Ici musulman veut dire soumis, dans la soumission. La soumission, elle n'est pas conditionnelle, elle est inconditionnelle. Elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala et elle est totale. Bi'inillah. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de taqullah haqqa tuqatih, craignez Allah à sa juste valeur. Ça veut dire yushka fala yukfa. Donc, j'exprime la gratitude et la louange. Et je ne renie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne suis pas ingrat. Deuxième chose, yudhkar fala yunsa. Je l'invoque et j'essaie de ne pas oublier. Parce que je ne pourrai pas ne pas oublier. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, ce que tu nous demandes ici, ce n'est pas possible. Invoquer Allah sans oublier, obéir sans désobéir, et le craindre et exprimer sa gratitude sans être ingrat, injure, c'est pas possible, nous sommes des humains. Alors Allah, il a révélé un autre verset, Taqullaha ma mastata'tu. Alors le croyant, il est toujours dans cette courbe, cette dynamique, en faisant toujours un effort pour lutter contre ce monde qui nous invite vers les péchés. Je dois lutter, je dois résister. Le croyant, c'est comme il est dans le sens opposé des courants. Les courants de ce monde, ils vont dans la désobéissance, dans le péché, et le croyant, il est dans le sens inverse. Malgré lui, le courant dominant, il va dans ce sens. Mais le croyant, il essaie de résister à ses tentations, même si elles sont belles, mais Allah il nous rappelle qu'elles sont éphémères. Elles vont disparaître. Et le jour du jugement dernier, on va regretter et on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on retourne sur terre pour rattraper et corriger ce qu'on avait raté, mais ce n'est pas possible. Allah nous dit, aucune âme ne sera, on lui donnera un sursis, aucune âme, son terme ne sera dévancé, aucune âme, son terme ne sera avancé, ce n'est pas possible. Il ne fera aucune exception pour quel qu'il soit. Alors, après cette introduction, j'aimerais quand même rappeler les frères sur un certain nombre de points. Tout à l'heure, j'avais parlé de Al-Mahabba.
Al-Mahabba, j'ai dit que j'ai une place toute particulière de cette mosquée dans mon cœur. Wallah, je le dis du fond de mon cœur, même si un jour, parce que j'ai passé une partie de ma vie à Tubiz, il y a un frère qui m'a dit « Tout Tubiz, elle te salue ». J'ai dit « Tubiz, comme disait le prophète Hassan, « Tuhibbuna wa nuhibbuha ». On l'aime et elle nous aime. Mais cette mosquée, je l'aime encore plus que la mosquée de Tubiz, parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et dans ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait un amour tout particulier pour quelque chose, pour un compagnon, il le disait. Et je prends l'exemple ici de Sayyiduna Mu'ad, radiallahu anhu, Mu'ad ibn Jabal. J'ouvre une parenthèse, je vous parle de ses compagnons très grands. C'était quelqu'un qui est mort jeune. Jeune, ça veut dire il avait 33 ans. Dans une version, et dans la deuxième version, il avait 28 ans. Écoutez bien, il avait 28 ans, il est mort déjà. Et Sayyidina Mu'ad, c'est quelqu'un qui va devancer les ulama le jour du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait cette grâce. Mu'ad yasbiqu al-ulama yawm al-qiyam. Et je ne dis pas n'importe qui, les ulama, les savants, il va les devancer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans ce sens, Mu'ad a'lamu ummati bil halal wal haram. Le plus connaisseur de l'halal ou l'haram de ma communauté, c'est Mu'ad ibn Jabal. Pourquoi j'ai parlé de ce Mu'ad? Et Sayyidina Omar radiallahu anhu, le jour, vous connaissez son histoire, mais j'ouvre une parenthèse, le jour où on l'a poignardé, il est mort assassiné. Donc on l'a poignardé, il était sur le rang juste le moment où il allait faire la prière de Salat al-Fajr, Salat al-Subh, dans la mosquée, on l'a poignardé, et puis il est resté, Allahu alam, un ou là deux jours après, il est mort. Agonisant, il est mort. Mais il est resté conscient. Conscient, et on a toutes ces... ce qu'il avait dit, parmi ses dires, il a parlé de Sayyidina Mu'ad. À un moment donné, qu'est-ce qu'on donne à Sayyidina Omar un verre de lait. On lui dit, Ya Khalifat al-Muslimi, prends un verre et bois. Alors il commence à boire, bismillah. J'avais soif, ça n'a rien à voir. Et c'est pas du lait de toute façon, vous le voyez bien. Alors, aussitôt il boit, qu'est-ce qu'on voit? On voit le lait en train de sortir hein, de cette partie de son corps à l'abdomen. Alors les compagnons lui disent « Ya Khalifat al-Muslimin, istakhlif, fa innaka satamut. » C'est un coup que tu as eu qui est fatal pour toi. Tu vas mourir. Istakhlif. On aimerait bien que tu fasses des adieux et que tu laisses derrière nous, tu nous donnes quelques indications pour celui qui va venir derrière toi. Et Sayyidina Omar, c'est pour ça, attention, je prends cette histoire-là et je fais le lien avec le sujet. Pourquoi? Sayyidina Omar, la sixième année de l'Hégir, qu'est-ce qu'il y a eu? Celui qui connaît Sira, sixième année, deuxième année d'expédition de Badr, troisième année Uhud, cinquième année Ghazwat al-Ahzab, sixième année. Masha'Allah, faire un talba dit al-Sira. Ils sont pas là, ils sont absents, Masha'Allah. Sur l'Hudaybiyah. Mais on accepte, l'Ubaydiyah ou l'Hudaybiyah, on l'accepte, Masha'Allah. Sur c'est le pacte de l'Hudaybiyah où le professeur Salam il va signer un pacte de paix entre lui et les mécréants, mécois, les païens, qui portent sur 10 ans avec des conditions qui sont humiliantes pour les musulmans. Mais le professeur Salim, il avait reçu un signal d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il doit signer ce pacte. C'est dans l'intérêt des musulmans. Et tous les musulmans, tous les compagnons, à l'exception de Abu Bakr, ils n'ont pas accepté le pacte. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je dis bien c'est le prophète alayhi salatu wa sallam,
Il leur dit, c'est Allah qui me demande. Et malgré tout, ils ne l'ont pas refusé, mais ils l'ont accepté de contre-cœur. Parce qu'il y avait des conditions humiliantes pour les musulmans, mais le prophète Hassan, il a dit, ce n'est pas grave. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Sayyidina Omar, radiallahu anhu, toujours, il est audacieux. La hujura, il va devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il commence à lui parler. Il lui dit, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, alasna ala haq, nous ne sommes pas sur la vérité? Il lui dit, oui. Et eux, ils ne sont pas sur l'égarement? Il lui dit, oui, si. Alors, comment on va accepter ces conditions humiliantes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue, il dit, c'est Allah qui me demande de le faire. Et là, Abu Bakr était présent. Abu Bakr, il interpelle Omar, lui dit, ya Omar, innahu rasulullah. C'est le prophète, il le rappelle, c'est le prophète, alayhi salatu wa sallam, uthbut. Soit affermi. Et il revient encore, Omar, radiallahu anhu. Tu nous as dit qu'on allait sortir pour faire le pèlerinage, le petit pèlerinage. Parce que le prophète, alayhi salatu wa sallam, il est sorti de Médine, il a vu dans le rêve, qu'il allait rentrer à la Mecque, l'Omra, pour faire l'Omra, avec Muhalliqin ou Muqassirin. Muhalliqin, ça veut dire coiffé, ou Muqassirin, en train de faire la prière par deux, d'or deux et l'Asr deux. Et là, c'est normal, parce que dans les conditions, les musulmans ne vont pas faire le pèlerinage cette année, ils doivent retourner à Médine. Et là, c'est normal. Il est furieux. Il va vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien la suite, la suite elle est importante. Il va vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, tu nous as dit qu'on allait faire le pèlerinage. Qu'est-ce qu'il lui répond le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et c'est vrai qu'il l'a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, est-ce que je t'ai dit cette année? Et ça c'est vrai. Est-ce que je t'ai dit cette année? C'est normal, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, non, tu n'as pas dit cette année. Alors le prophète sallam, il me répète, il lui dit, on va faire le pèlerinage, Inch'Allah. Parce que Allah, il m'a montré cette vision, on va le faire. Alors c'est normal, il se tait, il va reprendre ses chemins, et pendant le retour, qu'est-ce qui va se passer? Allah, il va révéler une sourate, qui s'appelle sourate. Fais-la un peu bas. Hein? Surat al-Fatih, inna fatahna laka fatahan mubina. Ah. Et là, Sayyidina Omar, il vient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va l'appeler pendant le trajet, le retour, il lui dit, il y a une sourate qui a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala qui s'appelle Surat al-Fatih, et il va commencer à réciter les versets inna fatahna laka fatahan mubina. Et Sayyidina Omar, il lui dit, awa fatahun hu, c'est vraiment une conquête? Il lui dit, oui, ce sera une conquête, inshallah. Et deux ans après, vous connaissez, huitième année, Inch'Allah, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète sallam reprend la Mecque. Non seulement le pacte, il n'est plus d'actualité, mais le prophète sallam reprend toute la Mecque. Mais ça, c'est une autre histoire. Je reste avec ces deux. C'est normal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Wallahi, ce qu'il a fait avec le prophète sallam, le fait de faire la polémique, parce que ça c'est un prophète, il y a adab, il y a une manière de lui parler. Le fait d'avoir, essayé de contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Abu Bakr lui dit, attention, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est normal, qu'est-ce qu'il dit? Wallahi, après ce jour-là, j'ai fait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de sadaqa, et je ne suis pas sûr que Allah subhanahu wa ta'ala m'a pardonné ce jour où j'ai fait la polémique avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qui va se passer le jour où on va le poignarder? La première des paroles, qu'est-ce qu'elle va dire? Wallahi inni la araha min al-hudaybiyah. Vous avez compris? Je le jure que ce coup-là que je viens de recevoir, ce coup-là est ce que j'ai fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de l'hudaybiyah. Je mérite ça. Parce que j'ai manqué de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est normal, il dit, ce coup-là, c'est ce que j'ai fait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça, regardez, les choses qu'on fait dans la vie d'ici-bas, Allah nous pardonne.
Mais parfois, il nous pardonne, mais il nous fait payer ce péché dans la vie d'ici-bas. Le pardon, c'est qu'il nous épargne le châtiment le jour du jugement. Il y a certains péchés où Allah il nous efface dans la vie d'ici-bas et il nous pardonne également pour la vie de l'autre. Mais certains péchés, on est payé dans la vie d'ici-bas. Je vous donne l'exemple où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Thnatani yu'ajjalu lahum fi dunya qabla al-akhir. Il y a deux choses où Allah subhanahu wa ta'ala il va vous payer d'une manière précipitée dans la vie d'ici-bas avant l'au-delà. Il dit al-jour. Al-jour, c'est al-dhulm, c'est al-bari, c'est le fait d'être injuste vis-à-vis de quelqu'un, c'est le fait d'opprimer quelqu'un, de prendre l'argent à quelqu'un, d'être injuste, etc. Al-jour al-dhulm. Quand tu fais un acte synonyme de al-jour, similaire de al-dhulm, de l'injustice, la première des réactions en tant que croyant, tu vas dire: Wallah, je vais être payé dans la vie d'ici-là. Tu dois être certain. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te le faire payer dans la vie d'ici-là. Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Et la deuxième, uquq al-walidayn, le fait d'être ingrat vis-à-vis de ses parents. Ce péché-là sera malheureusement payé dans la vie d'ici-bas, avant la vie de l'autre. Il y a évidemment certains péchés qui seront tout simplement effacés dans la vie d'ici-bas et la vie de l'autre. Parce que parfois on se pose la question: est-ce que ce que je subis comme épreuve, est-ce que Allah lui-même il est en train de m'éprouver, ou bien j'ai mérité quelque chose parce que j'ai été incorrect vis-à-vis d'Allah, j'ai été désobéissant et c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il est en train de me traiter ainsi. Et c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, la chose la plus importante par rapport à ce jour-là de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a tous deux dossiers. Un dossier avec les humains, on semblable, avec ton voisin, avec tes parents, avec tes frères, tes sœurs, au travail, avec tout le monde. Tu as menti par rapport à celui-là, tu as parlé sur le dos de quelqu'un, tu as été ingrat avec l'autre, tu as insulté l'autre, tu as frappé l'autre, tu as pris l'argent à l'autre, tu n'as pas respecté tes engagements avec l'autre. Tu as un dossier avec tes semblables, les humains. Et tu as un deuxième dossier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous le savez, en tant que croyant, musulman, les gens qui font la prière, les gens qui viennent à la mosquée, ton dossier avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est moins grave, je dis bien, ton dossier il est moins grave que ton dossier avec tes semblables et les humains. Vous connaissez le hadith où le prophète sallam, il parle de Abi Hurayra radiallahu anhu, il parle de celui qui Sahih Muslim, an al-rajul alladhi ya'ti bi salat wa siyam wa hajj wa zakat yawm al-qiyamah. Il a fait al-zakat, il a fait al-siyam, il a tout fait, mashallah. Il a fait le pèlerinage, il est parti à la Mecque, il donne le zakat, il vient à la mosquée. Mais il y a un mais majuscule, un grand mais. قد شتم هذا وظلم هذا وسفك دم هذا واخذ مال هذا. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'argent à celui-ci, il a frappé l'autre, il a insulté celui-ci, il a injurié l'autre, il a manqué de respect vis-à-vis de ses parents. Il a un dossier, malheureusement, un gros dossier. Il a un contentieux qui est assez énorme devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui va se passer? Le cours des événements, le jour du jugement dernier. فَيَأْخُدُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. Celui-ci, il va prendre de ses bonnes actions et l'autre également, il va prendre de ses bonnes actions. Lorsque ces bonnes actions, elles vont finir,
Qu'est-ce qu'il va faire Allah subhanahu wa ta'ala? Et les comptes ne sont pas encore réglés. Il va prendre de leurs mauvaises actions, il va les mettre sur son fardeau, ou la yad billah, et on va le traîner vers l'enfer. Vous écoutez bien? On va le traîner vers l'enfer, même si il a fait sa prière, même s'il a fait siyam, même s'il a fait le hajj, même s'il a fait le pèlerinage, les allers-retours, même s'il a fait zakat. Donc ça, c'est important, c'est une condition, mais ce n'est pas suffisant. Salat, c'est condition, c'est un pilier, mais ce n'est pas suffisant. La ilaha illallah, c'est une condition, mais elle n'est pas suffisante. Tu dois l'embellir avec le reste, et le reste, parce que si on prend l'islam, on va parler, regardez, il y a al-aqida. Lorsqu'on parle de l'aqida, c'est les fondements de la foi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a al-sharia, donc licite et illicite, al-halal al-haram. Il y a également al-ibada, le fait, le rituel, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il y a un quatrième point, non sans importance. D'ailleurs, le jour du jugement dernier, c'est celui-là qui va faire rentrer le plus le gens au paradis. Et c'est celui-là qui va être très lourd dans la balance, c'est le fait d'avoir un bon caractère, un caractère noble, ça veut dire un comportement digne avec les autres, les musulmans et les non-musulmans. Et ça, pour vous montrer toute l'importance, comment l'islam, il met chaque chose dans sa valeur. Alors je reviens à Sayyidina Mu'adh, sinon je vais l'oublier. J'avais dit que Sayyidina Omar radiallahu anhu, lorsqu'on l'a poignardé et on a su qu'il allait mourir, on lui a dit Estakhlif lana ya khalifat al-muslimi. Là, il va citer les six. Vous connaissez l'histoire. Il va parler des six. Il a dit comment il va utiliser une formule Mata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa anhum radin. Le professeur Sam, il est mort et il les a agréés le jour de sa mort. Il va citer Uthman, il va citer Ali, il va citer Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaidillah, Abdurrahman ibn Awf et Zubayr ibn Al-Awwal. Six. Parmi les dix inconnus qui ont eu la récompense d'avoir leur place au paradis, l'Ashara al-Mubasharina bil Jannah. Les quatre autres, vous les connaissez. Hein? Omar, lui qui parle, Abu Bakr. Othman, je l'ai cité. Hamza. Ali, je l'ai cité. Ne faites pas comme dans les contrôles, hein, les sans-papiers. Lorsqu'ils sont trois, ils ont une carte d'identité. Ils donnent, et puis le deuxième encore, la deuxième carte, et encore la troisième. Donc vous me sortez le même nom? Non, on l'a cité. Hein, je répète, hein. Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali, wa Sa'd ibn Abi Waqqas, wa Talha ibn Ubaidillah, wa Abdurrahman ibn Awf, wa Zubayr ibn Awam. Il manque deux. Il ne les a pas cités, c'est normal, le jour de sa mort. Pourtant, ils font partie de l'Ashar al-Mubashirin ibn Jannah. Abu Dhar. Non. Abu Ubaidah. Hein, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Mais il est mort. Il est déjà mort avant Sidna Omar radiallahu anhu. Et d'ailleurs, Sidna Omar, il a dit, si Abu Ubaidah était vivant, je l'aurais souhaité comme représentant, comme calife des musulmans après moi. C'est comme ça qu'il dit à Sidna Omar. Mais maintenant, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Aminu hadi l'umma Abu Ubaidah ibn Jarrah. Aminu hadi l'umma Abu Ubaidah ibn Jarrah. Il y a beaucoup de hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui pose la question, Man ahabu al-nasi ilayk, les gens les plus aimés auprès de toi, il dit Abu Bakr. On lui dit, après Abu Bakr, il dit Abu Ubaidah ibn Jarrah. Il devance même Sidna Omar radiallahu anhu, et Sidna Omar, il connaît parfaitement ce qu'il dit. Sidna Omar, le jour où il a pris, après la mort de Sidna Abu Bakr, c'est-à-dire, il écrit une lettre. Sidna Khalid ibn al-Walid, il est dans l'actuelle Syrie. Comme Amir, comme chef des musulmans, il lui écrit la première lettre. Amir alayka Aba Ubaidah ibn Jarrah, wa la ara Amir alayka.
C'est le chef, je ne vois pas un autre. Devant Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, et il sait pourquoi Abu Ubaïda, il a son poids et son amour auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il y avait un autre, le dixième, c'est... Bilal. Non, Bilal, il ne fait pas partie. Il fait partie de Moumachari, de Jannah, mais pas dans les Achar, Moumachari, de Jannah. C'est vrai, il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Bilal, « Sami'tu khashataka au qa'ara na'alayka fil Jannah. » J'ai entendu tes pas dans le paradis. Le professeur Sam, il parle à Bilal. Comment tu as su rentrer avant les autres au paradis? Il a dit, je n'ai rien fait. Si ce n'est à chaque fois que je fais les ablutions, je fais deux rak'at, c'est tout. Regardez, un travail simple, facile. Deux rak'at, après chaque ablution, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné cette grâce. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et puis il y a le beau-frère de Roman. Il s'appelle. Vous ne connaissez pas l'histoire de Sidna Omar. Parce que l'histoire de Sidna Omar, le premier jour où il a épousé l'Islam, il est rentré dans la demeure de son beau-frère. Hein? Non, si vous allez me dire Hudaïfa, vous allez citer tous les compagnons, je vais dire non, vous allez le trouver. Non, c'est pas Hudaïfa. Hudaïfa n'était pas encore monsieur. Nous sommes tout à fait au début. Je dis le beau-frère de Sidna Omar, le mari de Fatima, pas Fatima bint al-Rasoul, Fatima bint al-Khattab. Non, Soubeï, je l'ai cité. On va faire comme dans les cartes d'identité. Soufiane. Non. Qui ça, Soubeï? Abou Soufiane. Abou Soufiane, il est dans la mécréance totale encore. Voilà, dixième année. On est trop loin. Là, on est tout au début de l'islam. Nous sommes à la sixième année. De la prophétie. Nous sommes à la Mecque, et Sidna Omar, il veut devenir musulman, il va retrouver la demeure de son beau-frère, et à l'approche de la porte, il va entendre la parole du Coran. Il y a Al-Khabab, Ibn al-Hirt, parmi les premiers des premiers, avec Bilal, avec Amir ibn Fuhayra, avec Suhaib al-Rumi. Il a un parchemin dans lequel est écrite une sourate. Qui connaît cette sourate? Hein? Sourate. Il est en train de réciter et il apprend à Fatima et son mari, son époux. Saïd ibn Zayd. Rappelez-vous, Saïd ibn Zayd, il fait partie de l'Ashar al-Mubasharin bil Jannah. C'est le beau-frère de Sidna Omar, c'est le mari de Fatima bint al-Khattab, et il était vivant. Le jour où Sidna Omar allait mourir, il était vivant, mais Sidna Omar ne l'a pas signalé. Pourquoi? Parce que c'est son beau-frère. Donc il ne voulait pas que la gestion des affaires des musulmans reste entre familles. C'est les musulmans qui décident, et son beau-frère, malgré qu'il mérite, Saïd ibn Zayd, il a devancé Sidna Omar dans l'islam. Il était bien avant, quelques années avant. Et son père, même son père, il est mort bien avant l'islam. Son père, on dit qu'il est mort sur Al-Hanafiyya Samha. Zayd, j'ai oublié son nom, mais peut-être il va revenir après. On dit qu'il est peut-être mort sur Al-Hanafiyya Samha. C'est quelqu'un qui payait les Arabes. Celui qui avait une fille toute naissante, il allait donc la tuer, il payait, il donnait la rançon et la préservait et la sauvegardait. C'est le père de Saïd ibn Zayd, qui est le beau frère de Sidna Omar ibn Khattab. Comme ça, vous faites les liens bi'idhnillah. Alors, maintenant, on parle du lien entre Sidna Omar et Sidna Mu'ad. Sidna Omar, qu'est-ce qu'il dit également? Laukana Mu'ad Hayyan, parce que Sidna Mu'ad, il était également mort à cette époque-là. Tous deux, ils sont morts. Il y avait une épidémie à l'actuelle Syrie, ils sont morts. Abu Ubaïd ibn al-Jarrah, il était mort. Et Mu'ad ibn Jabal était mort. Et Sidna Omar, il dit, لو كان Mu'ad Hayyan, s'il était vivant, Wallahi la tasilu li ahad. Comme ça, il dit Sidna Omar. S'il était vivant, Mu'ad, la représentation des musulmans
elle allait atterrir chez Sidna Mu'adh. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Mu'adh yasbiq al-ulama yawm al-qiyam. Yasbiq, il va devancer les ulama, inshallah yawm al-qiyam. Alors Sidna Mu'adh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aimait. Hein? Il l'aimait si bien qu'un jour, il va l'envoyer au Yémen, l'actuel Yémen. Il lui donne les conseils à la sortie de Médine, parce que Sidna Mu'adh, c'est un Médinois, c'est pas un Mécon. À la sortie, il était jeune, grand de taille, et à la sortie, Sidna Mu'adh, il est sur la monture, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de marcher. Regardez, essayez d'imaginer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marche, et Sidna Mu'adh sur la monture. Tawadu, la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui donne des conseils. Qu'est-ce que tu dois faire, etc. La monture, c'est la Golf actuelle. C'est la voiture. La voiture de un chameau ou bien une... C'était les chameaux à l'époque, hein? Surtout les chameaux. On parle de monture. Al-Markab ou al-Rukub ou al-Dab. Et Sidna Mu'adh, le professeur Salmi va l'interpeller, il lui dit « Ya Mu'adh » Et Sidna Mu'adh, il va répondre, il lui dit « Labbaïka ya Rasulallah wa sa'adaïk » Il lui dit « Ya Mu'adh, Wallahi inni la uhibbuk »« Wallahi inni la uhibbuk » Le professeur Salmi, du fond de son cœur, il pensait à Sidna Mu'adh avant de lui donner les conseils. Parce que regardez ici, dans les ulama, ils disent qu'il y ait une certaine proximité entre l'éducateur, entre le papa ou la maman et l'enfant. Et d'abord, on commence par les paroles de l'amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith avec Abdullah ibn Abbas, il est derrière lui. Il y a la proximité. Il est juste collé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence à lui dire « Inni ya ghulam, inni u'allimuka kalimat »« Je vais t'enseigner des paroles. » Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il raccourcissait les... Il ne prenait aucune chose qui soit intermédiaire entre lui et les jeunes qui voulaient éduquer. Et il commence par une parole d'amour. « Ya Mu'adh, Wallahi inni la uhibbuk » Et il commence à faire les conseils. Et naturellement, Mu'adh, lorsqu'il va entendre ces paroles, son cœur il va s'ouvrir grand. Il va bien ouvrir ses oreilles et écouter attentivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il va lui donner comme conseil. Et Sidna Mu'adh, pourquoi j'ai pris Sidna Mu'adh? L'amma jadat nafsuha. Jadat nafsuha, le jour où il a agonisé, il sentait ça y est, il tremblait, il savait qu'il allait mourir. Regardez les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Ça y est, c'est le moment de la mort, imaginez. C'est le moment de l'adieu. Il parle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit « Okhnuq ya khaniq »« Okhnuq ya khaniq »« Étrangle-moi celui qui est en train de m'étouffer. » Et puis il continue « Wa bi'izzatika wallahi inni la uhibbuk » Le moment de la mort, il jure « Wallah ya Allah, tu es en train de m'étouffer parce que je suis en train de mourir. » Mais « Wallah, je t'aime. » J'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ce moment impressionnant, ce moment de l'agonie, ce moment de fatidique. Il se rappelle, il est lucide, mais il se rappelle de la chose la plus importante, cet amour qui est intouchable, cet amour que Allah subhanahu wa ta'ala aimerait qu'on a dans nos cœurs. Parce que c'est la chose la plus importante, c'est aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, également, dans ce contexte, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle dans Sourate Al-Mu'minun, « Inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, walladhina hum bi ayati rabbihim yuminun, walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila, annahum ila rabbihim raji'un, ulaika lahum khayr. » Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle a entendu
ces versets, Allah il parle dans ces versets des qualités des croyants. Ceux qui vont obéir à Allah, ceux qui ont les cœurs tendres quand ils vont entendre la parole du prophète, la parole du Coran. Alors là, elle va interpeller le prophète, elle lui dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Ici, Allah, il parle des gens qui font la fornication, les gens qui font le vol, les gens qui boivent la boisson alcoolisée. Il lui dit, non, Yabnat al-Khattab, non, la fille de Abu Bakr, Yabnat al-Siddiq, non. Mais Allah, il parle de gens qui sont croyants, qui sont obéissants, qui font leurs prières, qui font leurs obligations, qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, mais en même temps, écoutez bien, en même temps, ils sont craintifs, ils croient peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter leurs œuvres et leurs actions. Ils ont cette peur, en disant peut-être on est en train de œuvrer, et le jour où on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va nous dire, mais vos œuvres, ils ne sont pas acceptées. Et un jour, j'ai entendu quelqu'un parler d'un alim. Il a fait 80 ans peut-être de prédication. Tamanin sana fi da'wa wa huwa yad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala. 80 ans. Et le jour où il voit que son moment, il est proche, si proche, il a dit, je crains juste une chose. Une seule chose. J'ai travaillé, mashallah. Une vie, je l'ai donnée. Mais j'ai peur que Allah il n'accepte pas mes œuvres. C'est la chose sur laquelle j'ai peur que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas mes œuvres. Et c'est pour ça que le croyant doit être exigeant avec lui-même. Et maintenant je vais parler de certains. Pour que je revienne à mon sujet, les ulama ils disent si on veut être parmi les gens qui seront victorieux le jour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent qu'on doit se préparer à ce jour-là. On doit se préparer. On ne doit pas laisser les choses se passer dans l'improvisation. Et un jour, tu vas rencontrer l'ange de la mort. Ça va, bonjour, tu es le bienvenu. Ça ne se passe pas comme ça, vous le savez, les choses sont terribles. On passe dans un autre monde. Et l'autre monde, c'est quelque chose où Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis. « Wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu » Allah il nous a lancé un avertissement solennel en disant attention ce jour-là. Ne le prenez pas à la légère. Ne soyez pas des gens superficiels. Concentrez-vous sur la chose la plus importante dans votre vie. Et la chose la plus importante dans votre vie, c'est aimer Allah, adorer Dieu, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne passez pas à côté des choses qui sont les plus importantes. Alors, on doit se préparer. Les ulama, ils disent, il y a deux choses dans la préparation. Donc, la première des choses, je l'ai soulevée, c'est ta'a, ta'at Allah ma'al bu'd 'an al-ma'asi wal-fawahish wal-muharramat. Donc, la première des choses, on est dans l'obéissance, et en même temps, on est craintif, il y a un obstacle entre nous et les péchés. Mais il y a une deuxième chose, qui est encore plus importante et qui fait la différence entre nous et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des hommes et des femmes comme nous. Ils étaient comme nous. Ils aimaient la vie comme nous. Ils faisaient le commerce comme nous. Ils allaient au marché comme nous. Ils avaient des enfants comme nous. Nous sommes d'accord. Il ne faut pas idéaliser et penser que les compagnons, c'était des anges. Non. Et c'est complètement faux. Les compagnons étaient des hommes comme nous tous. Évidemment, ils avaient des plus par rapport à nous et des plus qui faisaient toute la différence. Le premier plus, c'est quoi? Ils ont reçu une éducation singulière, une éducation particulière, une éducation du meilleur des éducateurs. Parce que l'éducation, elle se fait par l'exemplarité. Moi, quand je parle à mes enfants, je leur dis, il ne faut pas mentir.
Mais si un jour il me voit mentir, si je dis à mon enfant, tu dois respecter tes engagements, et si il me voit, je ne respecte pas mes engagements. Si je dis à mes enfants, attention le péché, s'il me voit en train de faire le péché. Si je lui dis, attention, il ne faut pas être violent, il me voit violent avec sa mère, etc., etc. Un jour, j'ai fait le khutbah, il y avait une dame, elle m'a interpellé à la sortie, elle m'a dit, si tu peux parler au papa, lorsque ils font des reproches, etc., qu'ils ne soient pas violents, pourquoi ? Parce que cette violence-là, elle est transcendante et elle devient chez les enfants. Elle m'a dit, par exemple, mon mari, il est un peu grossier avec moi, il m'insulte, il est vulgaire, etc. Et maintenant, c'est mon fils qui le fait. Parce qu'il a copié son père. Il voit son père comment il fait, et maintenant, il est en train de faire le copier-coller devant sa mère. Donc, l'éducation, même si je vais faire un beau discours, vous allez sortir faire un beau discours, ça ne sert à rien. Croyez-moi, ça ne sert à rien parce que faire réducer la yoté, celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas le donner. Si tu n'es pas un exemple dans ta vie, hein, tu ne peux pas transmettre ces valeurs. Et je parle de la cellule familiale, surtout dans ta famille. Si tu n'as pas ces valeurs-là, tu ne peux pas les transmettre. Et les compagnons, ils ont reçu l'éducation du meilleur des éducateurs, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'exemple. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans le Coran. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es digne d'un caractère plein de noblesse, extraordinaire. Et les compagnons ont vu ça. Ils ont vu ça. Ils ont attesté. Moussa ibn Umayy, un compagnon qui est mort martyr, le jour de Uhud, le jour où il portait l'emblème des musulmans, et il ressemblait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son physique. Il était riche, même richissime. Sa mère, elle avait beaucoup d'argent, avait une fortune. C'était un Mécois. Et le jour où il a épousé l'islam, sa mère, elle lui a fait ses conditions. Tu épouses l'islam, rien pour toi. Il est devenu du jour au lendemain un pauvre. Rien. Il se retourne à sa mère et lui dit, « Ya ummi, wallahi law kanat laki mi'atu nafs. » Si tu avais 100 âmes, je dis bien 100 âmes, et elle va sortir une âme après l'autre, pour que je quitte l'islam, je ne le ferai pas. C'est une parole claire, nette et précise. Pourquoi il peut dire ça ? Il a vu ce que c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu l'exemple d'un homme. Zayd, vous connaissez Zayd ? Zayd ibn ? Ibn al-Haritha. C'était qui Zayd ibn al-Haritha ? C'était le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils adoptif. Avant la cinquième année, avant la révélation de Sourat al-Ahzab, où Allah il a interdit qu'on donne nos noms à nos fils adoptifs, Zayd, il s'appelait Zayd ibn Muhammad, tout simplement. Il s'appelait Zayd ibn Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, c'était son fils adoptif. Et pourquoi, un jour, il appartenait à... C'était un esclave à la famille de Khadija. Il est revenu à Khadija, et puis Khadija l'a donné au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, à la Mecque, ses parents, son père, et Qissam al-Oufa, et son oncle, ses siens, ils ont retrouvé ses traces, ils sont venus à la Mecque pour le récupérer. Ils ont entendu que c'était chez c'est les Ibn Khouwaylid, Khadija ibn Khouwaylid, la famille de Khalid. Alors, après, ils ont su que c'était non, plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ils sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, on a ramené de l'argent, une rançon, pour affranchir notre fils, Zayd,
Ibn al-Haritha, c'est notre fils. Malgré qu'il est esclave, il a été acheté, puisque c'était comme ça autrefois. Pas seulement chez les Arabes, toutes les sociétés étaient organisées ainsi. Alors Zayd, le professeur Seb, il dit, moi j'accepte pas la rançon. Mais demandez-lui son avis. S'il est d'accord de partir avec vous, eh bien il part. Il n'y a pas de problème. Alors son père, je dis bien son père et son oncle, ils se dirigent vers Zayd. Il y a Zayd, est-ce que tu connais, tu nous reconnais? Parce qu'il est tombé esclave, il avait encore 14 ans, 15 ans. Donc il se rappelait très bien de ses parents. Alors il lui parle, Zayd, est-ce que tu reconnais ton père? Il lui dit oui. Ton oncle? Oui. On est venu donc pour te ramener avec nous, ta mère elle est en train d'attendre, etc. Et il parle, et on a parlé avec ce monsieur, qui est son père adoptif, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, on lui a proposé l'offre d'une rançon, mais il a refusé. Il a dit, si tu es d'accord, tu peux partir gratuitement. Zayd, qu'est-ce qu'il a dit? Wallahi ma ubaddilu billadhi ra'it. Wallah, je ne prendrai jamais la place de quelqu'un à la place de ce que j'ai vu. Son père, il est furieux, dans un état de colère. Comment? Je suis ton père. Tu acceptes l'esclavage. Tu restes encore esclave chez la famille de Khouilid. Même si cet homme, il est généreux avec toi et tu viens pas. Alors, wallahi, je le jure, je ne quitterai jamais cet homme. Jamais je ne quitterai cet homme. Pourquoi il dit ces paroles-là? Parce qu'il a vu ce que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'exemplarité. Un homme, c'est... On ne peut pas acheter les cœurs des gens. « لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم » On ne peut pas acheter les cœurs des gens, mais on pourra gagner leur cœur, mais avec la bonté, lorsqu'on est bienfaisant, lorsqu'on est gentil, lorsqu'on est serviable, lorsqu'on est au service des autres, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, même les ennemis, je dis bien même les ennemis, vont se transformer en amis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai un ami d'enfance qui habite à Paris. Nous, on l'appelait comme ça, le bahloul. Le bahloul, ça veut dire quelqu'un qui est... Comment traduire ceci? Hein? Qui est dans un état de pureté. Il fait des choses parfois insensées, mais il est pur. Je dis bien, il est pur. Et lorsqu'il parle, il est dans la spontanéité totale, sans réfléchir. Si bien qu'on l'appelait bahloul. Il habite dans un quartier, au 12e à Paris, il n'y a que des voisins juifs. Moi, j'ai été chez lui à plusieurs reprises. Il est si bien, si gentil, tout ce qu'on peut imaginer. Tout le monde, je dis bien tout le monde, à l'exception d'une personne. Un voisin juif. Et à chaque fois, il me dit, je lui dis bonjour, mais lui, il ne comprenait pas, parce qu'il est toujours dans la spontanéité. Mais il me dit, je ne comprends pas pourquoi il ne me répond pas. Lui, il ne comprend pas au-delà de ça. Parce qu'il est naïf, comme ça. Allah, il l'a créé ainsi. Et un jour, quelques années après, 6 ans, 7 ans, je dis bien 6 ans, 7 ans, il est toujours lui dit bonjour. Il est sincère. Il ne le dit pas par calcul. Ou bien il veut gagner des choses. Je dis bien, il le fait dans la naïveté totale. Un jour, ce monsieur Laïs, il devient son ami intime. Je dis bien, tout le quartier, il l'aime bien. Subhanallah, j'ai vu un exemple devant mes yeux. Un musulman qui sort avec... je dis bien, il sort comme ça, comme vous voyez. Dans un quartier bien juif, il n'y a que des juifs là où j'ai vu. Mais son exemplarité, sa gentillesse, sa sincérité, surtout ça, sa sincérité avec les gens, a fait que les gens se transforment d'une manière radicale. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire.
qu'on soit sincère avec lui, que notre discours, il est suivi par nos actes. C'est très important que nos actes suivent le discours. Et c'est pour ça aujourd'hui dans le monde musulman, il y a ce problème-là. Il y a ce problème. Et comme j'ai soulevé tout à l'heure, si on aimerait que la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala soit un peu paisible, soit, inshallah, dans les bienfaits, soit acceptable, on a deux dossiers. J'ai parlé du dossier avec nos, avec Allah subhanahu wa ta'ala, nos péchés avec Allah. Mais vous le savez, Allah, il efface, il absout tous les péchés. Son absolution, elle n'a pas de condition. Il va effacer tous les péchés. Il est le mentor. Je dis bien mentor. Il faut se repentir. À chaque fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait chaque jour plus de 70 fois. Et dans un hadith, plus de 100 fois. Il répétait sans se lasser. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Parce qu'on a toujours des péchés. Le regard de l'Ihram, la parole déplacée, le regard méchant, sévère, le clin d'œil insidieux, la parole sur le dos de quelqu'un, l'argent qui est mal gagné, malhonnêtement, une parole dépassée ou des propos déplacés par rapport à ses parents, une préférence de mon épouse par rapport à mes parents. Il y a beaucoup de péchés qu'on fait qui, malheureusement, à nos yeux, ils nous semblent négligents, mais aux yeux d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils sont si importants. C'est pour ça que je dois toujours me rappeler et revenir vers Allah. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Alors, deuxième chose, le dossier avec nos semblables. Et ça, c'est la catastrophe. Ça, c'est la chose... Je dis bien, attention, avant de quitter ce monde, tu dois te préparer. Ne laisse pas les choses comme ça. Et le jour du jugement dernier, tu vas regretter, tu vas pleurer. Mais ça sera trop tard. Règle tes choses tant que tu as la force et tu as la vie. Il y a combien de gens qui prennent l'argent des autres? Hein, il va emprunter de l'argent et jamais il va restituer. Pourquoi? Parce que Shaitan est hakaré. Il se croit qu'il est riche avec l'argent des autres, alors qu'il est en train de ramasser seulement des péchés. Tu auras dans ce monde ce que Allah va t'écrire, ni plus ni moins. À quoi bon tu vas demander l'argent avec une voix qui est sinueuse? Tous les dossiers que vous connaissez, si tu as des problèmes avec tes parents, tu as des problèmes avec le voisin, un jour tu as insulté quelqu'un, c'est le moment, avant qu'il ne soit trop tard. Fais-le sincèrement. Fais-le entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Pleure quand tu es seul, dans l'intimité, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Sept seront sous l'ombre d'Allah. Et parmi ces sept, un, il s'est rappelé Allah, il a invoqué Dieu. Après, Khalian, dans l'intimité, il a commencé à pleurer. Par crainte, par amour d'Allah, parce qu'il s'est rappelé ses péchés. Khalian, je dis bien cette condition, il est seul entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc attention ce dossier. Et ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on reçoit comme shakawa, ce dossier-là, il est catastrophique aujourd'hui chez les musulmans. Je dis bien catastrophique. Attention, attention, attention. Si tu veux sortir de ce monde pur, si tu veux être parmi les acceptés, si tu veux que Allah va t'agréer, si tu veux avoir la garantie dans la médecine, règle tes problèmes tant que tu es vivant. Tant que tu as la vie, tu as la force, tu as l'argent, tu as la santé, va régler tes problèmes. Ça ne sert à rien de garder ses péchés et de mourir avec ces péchés-là. Et le jour du jugement dernier, Allah va te faire te dresser des comptes, et ces comptes-là, comment tu vas t'en sortir, ce sera difficile pour toi. Nas'alullah al-afiyah.
Et puis une dernière chose, si tu veux également te sauver, hein, parce qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle sauve-type. Je vous ai dit au départ, c'est une affaire personnelle. Sauf qui peut. Le jour du jugement dernier, même ta mère, je dis bien ta mère la plus aimée qui t'a mis dans ce monde, si les anges ils vont te dire, si on va te donner une hasana de ta mère, peut-être ta balance sera juste et tu vas rentrer au paradis, mais elle va avoir une hasana de moi et elle partira à l'enfer. Tu vas applaudir qu'elle parte à l'enfer. Je veux sauver ma peau. Le jour du jugement dernier, sauf qui peut. Mais dans la vie d'ici-bas, ce n'est pas seulement sauf qui peut, c'est également une responsabilité collective. Quand tu es chez toi, avec ta soeur, avec tes frères, avec ton époux, ton épouse, avec tes enfants, tu as cette responsabilité, ne relâche jamais. Jamais. Tu es toujours focalisé sur un point qui est important. Tu aimerais que tes proches soient parmi les gens que Allah subhanahu wa ta'ala doit préserver. Donc tu dois pleurer, je dis bien, tu dois pleurer devant Allah pour qu'il les guide vers le chef d'orage. À chaque prière, chaque prosternation, t'es sien, tu as une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est trop beau et trop facile d'insulter les gens, de les traiter dans les garments. Mais c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin de toi. Si Allah t'a mis dans cette voie, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une raison. Et deuxièmement, tu dois être au service de ces gens-là. Pourquoi? Si tu es directement responsable, parce que c'est tes frères, tes sœurs, ton époux, ton épouse. D'accord? Ça c'est très important. Ne jamais oublier que nous avons la responsabilité de notre famille, directement. Nos proches directement. C'est très important. Et puis il y a une dernière chose avec laquelle je vais finir. La différence entre nous et Sahaba, j'ai parlé de l'exemplarité, ils ont reçu la meilleure des éducations, ils ont vu l'exemple devant eux, ils ont assisté, ils ont été témoins de la révélation du Coran. Nous n'avons pas ça, malheureusement, pour nous. Et puis ils ont une troisième chose. كان عندهم تقليل الأمل أو تقصير الأمل. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ils sont vivants dans la vie d'ici-bas, les compagnons. Ils aiment la vie comme nous. Ils font le commerce comme nous. Ils ont, comme j'ai dit, des femmes, des enfants, etc. Mais il y a une différence. Il y a une différence qui est fondamentale, qui est capitale. Ils sont prêts. Ils savent que demain, peut-être, il va mourir. Demain, il ne va pas dire après-demain. Demain, il dit, je vais mourir peut-être. Donc, quand tu dis, demain, je vais mourir, je ne suis plus, on va dire, pas prêt, mais plus ou moins prêt. Parce que prêt 100%, je ne pense pas qu'on sera prêt à 100%. Mais on sera, au moins, le dossier auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, hein, les injures, la médisance, le vol... la violence, etc. Tout ça, au moins tout ce dossier-là, avec nos semblants, je le règle. Il reste l'autre dossier entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala, et je sais que la clémence de Dieu, Allah al-Rahma, dit Allah subhanahu wa ta'ala, azim wa kabira, narju rahmatahu, wa nakhsha adabahu, wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala, an yataqabbalana, idha sabna ilayhi, aqul qawli hadha. Well, stuff.